Salut à tous, chers guitareux, chères guitareuses, je suis Ludovic Briand et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour Guitare Extrême avec quelques petits exercices pour le début de cette année. On démarre tout de suite. Allez, c'est parti, on démarre avec un plan qui se joue picking, médiator et doigt, très typé country, sur la pentatonique de sol mineur. Je vous joue le truc et je vous le joue plus lentement après, comme d'habitude. On y va. Allez, on va continuer avec le deuxième plan de cette vidéo, qui est un plan en picking qu'on va jouer cette fois tout au doigt. Et on va utiliser pas mal de cordes à vide. Je vous montre ce que ça donne. Donc, le fait d'utiliser les cordes à vide, on va essayer de garder un maximum de résonance. Quand on arrive sur la corde de sol majeur, ben on a un maximum de cordes à vide qui résonnent déjà. Regardez. On continue avec le troisième plan de cette vidéo et je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces pour enrichir votre gamme pentatonique blues mineur. On va partir de la gamme de la mineur. Et on va se servir des cordes à vide pour ajouter un petit effet sympa qui avec un peu palmuté en shred, ça va donner un petit effet sympathique, vous allez voir. Donc je vous montre le plan, ça donne ça. Donc on va tout attaquer vers le bas et on va faire se servir des cordes à vide comme point d'appui pour notre hammer. Donc. Pour le plan qui suit sur cette vidéo, on va prendre exactement la même chose, mais on va cette fois le faire en sens inverse. C'est parti. L'exercice suivant, je vous propose donc une petite descente en fait qui part de la gamme pentatonique de la mineure toujours. On va donc démancher sur la gamme de Do majeur, ce qui est relativement la même chose. Et on va l'agrémenter de petites notes pivot pour rendre le truc un peu plus jazzy. Donc ça va donner ça. Thank you.
pour la dernière partie de cette vidéo, je vous propose de continuer sur la lancée, d'agrémenter donc nos petites gaines pentatoniques avec des notes pivot pour les rendre un peu plus cool. Et on va donc étudier un tout petit bout d'un solo ultra connu, Rosanna, de Toto, Steve Lukather. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la montée pentatonique. Elle n'est pas très très compliquée. Le plus dur, en fait, c'est de partir au bon moment. C'est le placement rythmique de cette montée. Mais la montée en elle-même n'est pas très très dure. Je vous la joue. Voilà, chers guitareux, chers guitareuses, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous. J'espère que les plans vont vous satisfaire pour cette début d'année. Et quant à moi, j'espère qu'on se retrouve très très bientôt. Je vous fais plein de bisous.